Ce 20 décembre, c'était la fin du mandat de Joseph Kabila. Mais le président de la République démocratique du Congo n'a pas quitté ses fonctions. Résultat, une population en colère, survoltée. Les violences ont fait au moins 11 morts. Joseph Kabila n'avait pas le droit de se représenter, mais il n'a pas organisé d'élection présidentielle. On a la main de Kabila ! Le mandat de Joseph Kabila est terminé, dit cette femme. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous mène vers des élections constitutionnelles jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau de l'ordre. La Cour constitutionnelle a autorisé Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, à rester en fonction jusqu'à la présidentielle, repoussée en avril 2018.